Parfois, pour se créer une aventure, bah, y a pas besoin de traverser des océans ou de gravir des montagnes. Une aventure, c'est juste accepter de sauter dans un wagon, mais tu sais pas trop où il va. C'est oublier les règles et partir vivre sans filet le temps d'une journée. Donc avec mon pote Vincent, l'idée c'était de partir de Lyon en stop pour rejoindre le petit village de Chénier dans le fin fond de la Creuse. Un trajet qui normalement devrait prendre 3h30, bah nous on l'a fait en 12 heures. Pourquoi on a fait ça? Pour rejoindre un festival. Et faire la fête. Et on va rester là toute la matinée, je crois. À quelle heure on laisse tomber? On va boire des bières? Mais c'est un festival un peu particulier. Parce qu'on est 1500 à y aller. Et la règle, c'est que tout le monde doit venir en autostop. Ça s'appelle la Mad Jack, la plus grande course en stop du monde. Et ça se passe en France début juin. Et c'est juste génial. C'est un festival où tout le monde y va en autostop. C'est une obligation. Bon bah à tout à l'heure hein. Wow. C'est du ciel, ok. Non bah la plus belle ville du monde, Soraya. Soraya, la plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde. Répète après moi, Saint-Étienne. Si tu dis pas Saint-Étienne, tu descends sur l'autoroute. Je te donne la réponse. C'est long, c'est Acapulco. Quand on était à Lyon, en fait, il y a des gens qui se sont arrêtés et on était tellement contents de notre premier stop qu'on est monté dedans, mais en fait, il nous a emmené à Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, ça nous arrange pas trop, en fait. Ah, c'est notre pote. Ouais. Yes. C'est encore possible que tu t'arrêtes. Non! Ah! Il nous avait fait un signe! Mais je sais pas lequel! Oh non! Madame! Ouais, le temps passe plus vite que ce qu'il n'y paraît. Ouais, passe plus vite. C'est 1h10 qu'on est là à attendre que quelqu'un nous prenne. 1h10, c'est long. On retourne à Lyon ou quoi? On retourne à Lyon? Et tout le monde calme ou quoi? Oh là là! Oh, trop bien! Désolé, hein. Vous n'y serez pas vite, pas. C'est pas grave. Ah là, y'a pas le choix. Ah, c'est cool. Salut. Ça va? Bonsoir. De toute façon, moi je prends toujours les gens en stop. C'est sympa, t'as envie de rencontrer du monde, c'est le principe. Le meilleur moyen, moi je trouve, de rencontrer justement, c'est de prendre en stop. Après, quand tu fais beaucoup de stop, t'es sûr d'avoir aussi des couilles. Mais en général, que des plus géniaux. Un myrtille sauvage. Ouais, merci. Donne tout. Ah, pour le marre. Bilan, on est parti à 8h, il est 14h. Ouais. 14h, on n'est même pas à Clermont-Ferrand. On
Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'ils font tous les personnes sympas. Mais des fois, il y en a qui nous mettent dans des sacrés pétrins. Parce qu'ils font de leur mieux, ils nous poussent de 4 km alors qu'on voudrait en faire 250. Mais en fait, ils nous enterrent vivants dans la rue Panacée. Yes. Et on arrête l'autoroute. On en a marre. On a pris des conclusions. Donc l'autoroute, c'est pas le bon plan. Ça, apparemment, c'est connu dans le milieu de l'autostop, mais nous, on avait... On découvre. On aurait dû lire le manuel. Et donc là, on revient sur la départementale. Voilà notre vie. Voilà. On approche du but. C'est là que tu nous fais la blague de... Bon, bah, je vais vous laisser là. On a trouvé des super posts, les seuls qui connaissent. Les chimiers. Pas. Mais c'est pas le lait. Un petit souci. Salut toi. Trop de chance. Un café. Donc Xavier, 11e et dernière voiture, on arrive au Chenet. Tu vas toujours pas y arriver. Ah, mais bah attends, j'ai des gars, j'ai des Lyonnais avec moi. Ouais. On est arrivé avant vous. Non, mais c'est plus facile de faire du tour. Ouais, ça c'est le timing. Et vous êtes servi de tous vos panneaux? Dépêchez-vous. Ah, il veut bien. C'est vrai. On va vous jeter dedans. Vincent, ticket. Il y en a besoin pour quoi? La bouffe? Et ben on les prend maintenant, comme ça. Pas, moi, je suis touché. Seule journée, on a fait connaissance avec une cinquantaine d'inconnus. Moi, j'avais l'impression qu'en France, ces échanges spontanés disparaissaient petit à petit. Et même si c'est probablement le cas, et bien cette journée, elle nous a montré qu'il y a encore un paquet de gens en France qui osent la rencontre, qui ne vivent pas dans la méfiance et qui répondent présents quand il s'agit de filer un coup de main. Et je peux vous dire que ça fait du bien de les rencontrer.
peux pas aller à Riom. Si tu vas à Riom, n'oublie pas de mettre ton chapeau.